بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أعاذني الله وإياكم من البدع أيها الإخوة الكرام donc ce cours inshallah est le premier dans une série de cours inshallah تعالى dans l'exposé de Injah wa Hajati Sa'il de Sheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalidi. A savoir que cet ouvrage, Injah wa Hajati Sa'il, comporte un ensemble de 36 usul, de 36 fondements, 36 principes de base dans la croyance du musulman. Mais dès lors que le musulman, walillah ilhamd, aura compris ces fondements-là, il ouvrira les yeux sur un grand nombre de réalités et saura faire la distinction entre le tawhid qu'Allah lui a ordonné et le shirk qu'Allah lui a interdit, entre le tawhid pour lequel les prophètes furent envoyés et entre le shirk qui est venu qui fut interdit par l'ensemble des messagers. Il saura de même faire la différence entre le croyant, son frère, fillah et azzawjal, et entre al-mushrik, le kafir, qui est son ennemi, qui n'est pas en aucun cas son frère. Et il saura faire la différence entre l'allié d'Allah et l'ennemi d'Allah. Il saura faire la différence entre celui ou l'objet ou la chose qui devient un tarot et dont Allah nous a demandé de nous désavouer, et entre ce qui ne l'est pas. Il saura faire la différence entre les actes qui acceptent l'excuse par l'ignorance et la mauvaise compréhension et les actes qui n'acceptent pas l'excuse par l'ignorance et la mauvaise compréhension. Il saura de même qu'est-ce qu'une terre d'islam et qu'est-ce qu'une terre de mécréance et qu'est-ce qui en découle et comment reconnaître un musulman dans une terre de mécréance et comment affirme-t-on l'islam des gens et comment affirme-t-on la mécréance des gens. De même qu'il saura, et ceci sera le dernier chapitre, les conditions du jihad qu'Allah Azza wa Jalla a établi pour les croyants. Et quelles sont et pour quelles raisons certaines fois cela n'apporte pas ses fruits, comme va l'évoquer le Cheikh dans le dernier des chapitres. À savoir que ce livre, l'introduction a été faite par Cheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalid, Cheikh Uqla ibn Shu'aibi et Cheikh de même Ali ibn Khudayr al-Khudayr et Cheikh Abdullah al-Ghunayman a considéré que ce livre pourrait être un matn et servirait de matn à apprendre par cœur du fait de son importance et qu'il réunit un grand nombre de sujets dans un exposé qui est précis et concis. Donc on va commencer dans le premier chapitre que vous avez sous les yeux, qui est le tawhid et l'explication de ces catégories. Le premier chapitre, le tawhid et l'explication de ces catégories. Puis le cheikh a cité le premier fondement qui est que al-hikma, la sagesse derrière la création des hommes et des djinns est l'adoration d'Allah et l'abandon de toute autre adoration. La sagesse derrière la création des hommes et des djinns est l'adoration d'Allah et l'abandon de toute autre adoration. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afahasiba al-insanu an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'il sera laissé sans obligation à observer? L'homme pense-t-il qu'il sera laissé sans obligation à observer? Ainsi que la parole d'Allah ta'ala, am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Croyez-vous que vous avez été créé en vain et que vers nous vous n'allez pas retourner? Croyez-vous que vous avez été créé en vain et que vers nous vous n'allez pas retourner? Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, comme l'a rapporté al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala dans Fath al-Majid, a dit: l'homme pense-t-il qu'il sera croyez-vous que vous avez été créé en vain, c'est-à-dire croyez-vous que vous avez été créé et que vous ne recevrez pas d'ordre ni d'interdiction? أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون. Croyez-vous que vous avez été créé en vain sans recevoir d'ordre et d'interdiction? Ceci ne saurait être. De même que la parole d'Allah عز وجل, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ma khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budun ay illa liwahhiduni. Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de l'Abbas ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte, une soumission exclusive et qu'ils n'adorent que moi. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a aussi dit: toutes les fois où l'ordre est donné d'adorer Allah, ce qui est visé par l'adoration, c'est le tawhid. Toutes les fois où l'ordre est donné dans le Coran, d'adorer Allah, ce qui est visé par l'adoration est l'unicité d'Allah. Et de même dans la sunna, lorsque l'ordre est donné d'adorer Allah, ce qui est visé par l'adoration est l'unicité d'Allah. Et ce qui est voulu dire par ce qui est visé par la parole d'Ibn Abbas, c'est de montrer que les ordres qui sont dans le Coran et la sunna et qui viennent pour inciter les gens à adorer Allah, ce qui est voulu dire, ce n'est pas la salat, ce n'est pas la zakat, ce n'est pas le siyam, ce n'est pas le hajj, c'est d'unifier Allah dans son adoration, d'unifier Allah dans son invocation, d'unifier Allah dans les sacrifices, d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'alliance, d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans le hukm. C'est ça qui est visé. Allah Azza wa Jalla dit: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. لَا شَرِيكَ لَهُ. Il n'a aucun associé en cela. Il n'a aucun associé. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Et c'est ceci qui me fut ordonné. Et je suis le premier des musulmans. Et je suis le premier des musulmans. Donc lorsque l'ordre est donné dans le Coran et dans la Sunna d'adorer Allah, ce qui est voulu dire, c'est de lui vouer un culte exclusif, fin nusuk, dans les actes cultuels, tels que l'adoration, les sacrifices et autres. Et de même dans al-hukm, dans le jugement, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le prendre lui seul pour juge suprême et de ne se soumettre qu'à sa seule et unique législation. La seule et unique législation que le musulman accepte dans sa vie, c'est la législation d'Allah Azza wa Jal. Et de même de vouer un culte exclusif à Allah, de reconnaître et d'accepter et de ne prendre pour autre allié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala et que les alliés d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, nous allons revenir avant de continuer sur ce tawhid. Le tawhid est donc la première chose que la personne responsable se doit d'apprendre. C'est la première obligation que tu dois connaître. C'est la première chose que tu dois apprendre. Il est ainsi le tawhid, la première et la dernière des obligations. La première chose par laquelle le serviteur entre dans l'islam, ajoutez à cela le tawhid est la dernière chose dont il doit témoigner avant de quitter ce monde et ce bas monde, et à son sujet il sera questionné dans la tombe. Le tawhid est la première des choses que tu dois apprendre. Contrairement, donc c'est la première des choses que tu dois apprendre dans ce bas monde. Et c'est la première obligation que tu as. Contrairement aux Asha'ira et autres innovateurs qui ont dit que la première obligation, c'est le nazar, c'est la méditation. Et certains d'entre eux en sont arrivés au fait que celui qui croit sans avoir médité au préalable, sa foi n'est pas valable. Alors que le sunna sont unanimes à dire que la première obligation c'est le tawhid. Et celui qui ne médite pas sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal, sur les signes de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et celui qui ne médite pas sur les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui croit en Allah, et il est certain de ça, et il croit en l'unicité d'Allah, il en est certain, et il croit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah, celui-ci, sa foi est valable à l'unanimité d'Ahl Sunnah. Les innovateurs, ils ont dit non, celui-ci, s'il n'a pas médité au préalable, sa foi n'est pas valable jusqu'à ce qu'il médite. Et cette méditation est appelée An-Nadhar. D'accord? Cette méditation est appelée An-Nadhar. Donc, on voit bien qu'ici que la première des obligations, c'est le tawhid. Et la première chose que tu dois apprendre, c'est le tawhid. Le adhan, il commence par quoi? Par le tawhid. Allah, juste après le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juste après, il y a quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Après,
Il y a le restant de l'adhan et l'adhan se termine par quoi? La ilaha illallah. Donc le adhan, l'appel à la prière commence par le tawhid et se termine par le tawhid pour te montrer que ta vie elle commence sur l'unicité. Lorsque tu entres dans l'islam, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie et tu viens de naître à nouveau. Elle doit se terminer par quoi? Par man qala la man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith as-sahih. Celui dont les derniers propos, les dernières paroles en ce bas monde sont la ilaha illallah, il entrera au paradis. Donc on voit que là ta vie elle commence par le tawhid et elle se termine par le tawhid. Le tawhid c'est la chose pour laquelle tous les prophètes furent envoyés et tous les livres furent révélés. L'ensemble de la création s'est divisé en croyant d'un côté et en mécréant de l'autre pour ce tawhid. Le paradis a été créé, l'enfer a été créé pour partager la création entre les croyants qui ont réalisé le tawhid et les mécréants qui n'ont pas réalisé le tawhid. Donc on voit l'importance. On voit l'importance de ce tawhid. Ce tawhid sans lequel le serviteur ne pourrait obtenir le bonheur en ce bas monde, ni le bonheur dans l'au-delà, et sans lequel il ne pourrait être préservé du châtiment de l'enfer. Et au sujet de ce tawhid, ayyuha al-ikhwa, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans le Fatawi al-Kubra volume 1 page 415 il dit et la parole d'Allah ta'ala qul amara rabbi bil qist wa an aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhum mukhlisina lahu ad-din wad'uuhum mukhlisina lahu ad-din. Donc la parole d'Allah ta'ala dit mon Seigneur a ordonné al-qist l'équité et orientez vos êtres et vos visages vers وادعوهم مخلصين له الدين قل امر ربي بالقسط وان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. Et orientez vos visages vers toutes les mosquées, vers tous les lieux de Donc dit mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Et invoquez-le sincère dans votre soumission. Et la soumission, le dîn est souvent traduit par le culte. Et le problème de traduire le dîn par le culte, c'est qu'il y a un grand nombre de significations que ce terme-là qui est le dîn comporte, qui sont effacées de la conscience des gens à cause justement de ces traductions par le culte, car le culte a une définition bien particulière aux yeux des gens. Donc dit mon Seigneur a commandé l'équité et que votre prosternation soit exclusivement pour lui et invoquez-le sincère dans votre soumission et invoquez-le sincère dans votre dîne, de même qu'il vous a créé vous retournerez à lui. Ibn Taymiyyah a dit à la suite de ça, Allah a ordonné avec l'équité, al-qist, le tawhid. Ce tawhid qui désigne l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé. Et cette adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé, ce qui représente le asl du din. Ce qui représente la base et le fondement du din. Et son opposé est le péché qui ne peut être pardonné. Son opposé à ce tawhid et à cette base de l'islam qui est d'adorer Allah et de ne pas lui donner d'associé est le péché qui ne peut être pardonné. Allah Ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Ce dîn,
ce dîn qu'après ce dîn, et celui qu'Allah a commandé à l'ensemble des messagers. C'est quoi ce dîn? C'est d'adorer Allah et d'abandonner le shirk. Ce dîn est celui qu'Allah a commandé à l'ensemble des messagers, et par lequel il les a envoyés à l'ensemble des communautés. Allah Ta'ala dit: wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers sans lui avoir révélé qu'il n'y a de véritable divinité que moi. Adorez-moi donc. Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers sans lui avoir révélé qu'il n'y a de véritable Dieu que moi et qu'il n'y a de véritable divinité en droit d'être adorée que moi. Adorez-moi donc. Et Allah Ta'ala a dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et certes nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et Allah Ta'ala dit de même: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما وصى به نوح والذي أوحينا إليك أن والذي أوحينا إليك والذي 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 وصينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il vous a été légiféré comme dîn, c'est-à-dire comme soumission, ce qu'il a été ordonné à Nuh et ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons ordonné à Ibrahim, Moussa et Isa. Quel est le contenu de ce message? An aqimu ad-din, établissez le din, établissez la soumission, soumettez-vous à Allah seul et unique et ne vous divisez pas à son sujet. Sourate Ash-Shura, verset 13. Wa shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Et Allah Ta'ala dit: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Ô vous autres messagers, nourrissez-vous de bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. Je suis certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et cette communauté qui est la vôtre est une seule et même communauté. Et cette communauté qui est la vôtre est une seule et même communauté. Et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Et je suis votre Seigneur, préservez-vous alors de mon châtiment. Préservez-vous alors de mon châtiment, c'est-à-dire par le tawhid. Et c'est pourquoi l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, a établi un chapitre qu'il a titré « Les textes qui affirment que le dîn des prophètes est un »« Ma ja'a anna dîn al-anbiya'i wahidun » Les textes qui affirment que le dîn des prophètes est le même. Et il mentionna le hadith sahih à ce sujet. Et le hadith sahih, c'est le hadith rapporté par l'imam Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: نحن معشر الأنبياء ديننا واحد ونحن إخوة لعلات. Nous autres prophètes, nous sommes, notre religion, notre din est le même. Notre soumission est la même. Et nous sommes frères d'un même père et de mère différente. Et ce din qui est commun à tous les messagers. Et ce din qui représente la base de l'islam sans laquelle nul ne peut être musulman. Ça c'était une parenthèse. Je reprends les paroles d'Ibn Taymiyyah. Et ce din est l'islam général au sujet duquel tous les prophètes s'accordèrent. Et ce din est l'islam général au sujet duquel tous les prophètes s'accordèrent. Au sujet duquel tous les prophètes s'accordèrent. Nuh alayhi salam a dit: وأمرت أن أكون من المسلمين. Et il me fut ordonné d'être du nombre des musulmans. وأمرت أن أكون من المسلمين. Il me fut ordonné d'être du nombre des musulmans, c'est-à-dire des soumis.
Et Ibrahim alayhi salam a dit: "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Donc Ibrahim alayhi salam a dit, lorsqu'Allah azza wa jalla, comme Allah nous le dit dans le Coran, lorsque son Seigneur lui dit: "Soumets-toi", c'est-à-dire soumets-toi à moi seul, il dit: "Je me soumets au Seigneur des mondes." Et Ibrahim et Yaqub, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et Ibrahim et Yaqub leur donnèrent à leurs enfants en disant: Ô mes enfants, Allah a choisi pour vous le dîn, c'est-à-dire la soumission à lui seul. Ne mourrez donc qu'en étant musulmine. Et au sujet de Isa alayhi salam, Allah azza wa jalla nous dit: "Idh qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa ashhad bi anna muslimun." Et lorsque les apôtres ont dit: "Nous sommes les ansarullah, c'est-à-dire ceux qui vont soutenir Allah et sa religion. Nous avons cru en Allah et sois témoin que nous sommes muslimoun." Et sois témoin que nous sommes muslimoun. Et Bilqis a dit: "Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin." Seigneur, je fus injuste envers moi-même et me soumets maintenant en compagnie de Sulayman à Allah le Seigneur des mondes. Seigneur, je fus injuste envers moi-même et me soumets en compagnie de Sulayman à Allah le Seigneur des mondes. Et Allah Ta'ala nous dit: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون. Là, Afwan, je me suis trompé dans le verset. Donc le début du verset: Inna anzalna at-tawrat fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Nous avons fait descendre At-Tawrat, la Torah, dans laquelle il y a un guide, et une lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah. Ainsi que les rabbins et les savants jugent avec les affaires des juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens et mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc et ce tawhid qui représente Asluddin, ça c'est toujours les paroles d'Ibn Taymiyyah, et ce tawhid qui représente Asluddin, le fondement du din, est la plus grande équité et justice, le tawhid qui est la base de l'islam, le tawhid pour lequel tous les prophètes furent envoyés, le tawhid qui consiste à se soumettre à Allah Ta'ala seul et unique et ne se soumettre à personne d'autre comme on se soumet à Allah Azza wa Jal, ce tawhid représente, comme il dit Ibn Taymiyyah, Asluddin, le fondement de la religion, et qui est donc ce tawhid est la plus grande équité et la plus grande justice, et son opposé à ce tawhid qui est le shirk est la plus grande des injustices, akbarul zulm,
وأعظم الظلم. Comme les deux cheikhs, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, al-Shaykhan, rapportent dans leurs deux recueils sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, lorsque ce verset fut révélé, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur iman, leur foi par une injustice, ceux-là seront en sécurité et ceux-là seront les bien guidés. Lorsque ce verset fut révélé, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam furent dans un grand malaise et dirent, qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même? Qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit, Alam tasma'u ila qawli al-'abd as-salih, n'avez-vous pas entendu la parole de l'homme vertueux, Luqman alayhi salam, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, certes le shirk est une grande injustice. Ici se terminent les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, wa barakallahu fikum, inshallah. Donc ce cours est le premier. Les cours, inshallah, sur le tawhid, j'essaierai de les faire pas très très longs, inshallah, pour que petit à petit, le plus important c'est que l'essentiel soit assimilé. J'espère, inshallah, que ce qui a précédé vous a été profitable. Méditez sur les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, essayez d'avoir l'audio, de la réécouter. Wabarakallahu fikum. Et inshallah, je vous dis pour le prochain cours, on se verra demain, inshallah ta'ala, à 21h30. Et essayez de méditer sur ce qui a précédé. Wajzakumullahu khairan, fama kana min sawabin, famin Allah wahda, wa in akhta'tu famin nafsi wa min ash-shaytan, wa astaghfirullah. Ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul, et si je viens à m'être trompé dans la traduction ou quoi que ce soit, ça vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wa astaghfirullah wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.